Zaxton. Demande-moi de te donner l'œil de Blaze, matelot. Faut vraiment que je le dise à voix haute. C'est ça où on finit en pâté pour requin. Donne-moi l'œil de Blaze. C'est carrément transcendant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Nom d'une jambe en bois. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'as une armure magique et un sabre parlant, mon joli. Faut que je te tienne le bras ou quoi? Allez, bats-toi! Viens prendre ta correction. Je vais t'arracher ton sabre. Il tombera avec. Yeah. Oh, comment t'as fait ça? Tiens-moi bien fermement et je t'apprendrai tout ce qu'une fine lame doit savoir. T'inquiète, je gère. C'est moi qui gère. Toi, tu t'accroches solidement. En fait, c'est pas si compliqué. Ah, tu vas pas contre moi, toi contre lui, mon bleu. Seuls les pleutres s'abritent derrière les autres. C'est comme le surf. Il faut garder son équilibre et réagir vite. Ça, c'est bon, je sais faire. Moi aussi, je peux me battre. À la bagarre, je suis hyper fort. Allez, approche, si t'es un homme. Oh, maudit labo. Attrapez-le. C'est vous, les pavots. Ce que j'ai dit. Tu sais ce qu'il y a de bien avec le gaz? Ça prend feu. Hey, le balèze, tu crois que tu pourrais nous débarrasser de ces squelettes? Regarde, M. Bigorneau, mais ce que lui préfère, c'est écrabouiller Tibia. Il est poursuivi par des ptéros qui, s'il n'était pas aussi dangereux, serait hyper cool. Oh, faut lui venir en aide. Génial. Plein de ressources, Zaxton. Oh, tiens-toi prêt. Tu as appris à voler au même endroit où tu as appris à tenir un sabre. Si t'es pas contente, tu peux descendre, Crystalloon. Moi, c'est Krista Coraline, le Djoum. Si on se retrouve à Netherwear, tu crois qu'Alabras va craquer? Ok. J'ai un plan où tout le monde aura un rôle à jouer. Toi, gamin, ordonne à ce sabre de me remettre ses pierres. Non, désolé, ça va pas être possible. Jamais je ferai ça, même si tu mettais des piranhas dans mon caleçon. Oh, regarde! Est-ce que tu tiens tes équipiers, capitaine? Ces pauvres idiots te suivent dans tes aventures, mais est-ce que leur sort t'intéresse vraiment? Arrêtez! Il sait pas nager! Non, Zach, toi pas t'inquiéter pour ça. Les requins mangeront Krogar avant Noyade. Attendez! Vous avez gagné. Je ferai tout ce que vous voudrez. J'en ai assez, ça suffit. J'ai plus envie de jouer au capitaine. Vous voulez le sabre? Prenez-le. Promettez juste de me laisser partir. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh non, Zach, tu ne peux pas faire ça. Tu serais capable d'abandonner tes équipiers, de les sacrifier pour sauver ta peau?
Oui, enfin bon, c'est pas mes amis. Hein? Si je suis leur capitaine, c'est parce que j'ai Calabras. Mais sans Calabras, je ne suis plus rien. Il suffit de t'enlever ton sabre pour découvrir qui tu es vraiment. Un lâche! Maintenant, dis-moi comment arracher ces pierres. Je vais vous dire, c'est un peu comme pour tout ce qui se passe ici. En fait, j'en ai aucune idée. Dans ce cas, tu ne sais pas rien. Sauf peut-être à nourrir les requins. Bon chef, gentil service. Copains, je sais que ça avait l'air louche, mais il faut me croire. Si Caramba agit bizarrement, c'est parce que son collier le rend dingue. On aimerait te croire, Zack Storm, mais... Il a raison. Le pendentif est possédé, maudit, en sorcellerie. On est fichu. Caramba, ce pendentif est dangereux. Il faut que tu l'enlèves. Pauvre mortel, Caramba n'existe plus. À partir de maintenant, il n'y a plus que Xibalba. Toutes mes excuses, Zack Storm. On dirait bien que tu disais vrai. Ouais, cette journée est réservée plein de surprises. Quitte ce corps, Xibalba. Non, je ne crois pas, gamin. J'ai toujours été attiré par les habits exotiques. Alors ce corps est plutôt étrange, mais je saurais m'en contenter. J'ai le pendentif, on a gagné. Garde cette breloque ridicule. Maintenant mon esprit a un nouvel hôte qui est bien mieux. Plus pour longtemps, Calabras, donne-moi l'œil de... C'est une créature millénaire. Cinq. Calabras. Avez-vous peur de moi maintenant? Regarde, écrasé, méchante sorcière. Non, elle est dans le corps de Caramba, on ne doit pas le blesser. Vous êtes tellement faible et tellement apeuré. D'ici demain matin, j'aurai conquis ce monde. Et si nous pas trouvé maman de Freya? Toi, pensez à ça? Freya peut être rejetée par autre vouivre, ou même mangée. Oh. Notre brillant ingénieur aurait une idée? On ne peut pas faire feu avec les canons, mais il me reste de l'énergie dans mon armure. Au revoir, douce et agréable chaleur. Caramba, non, c'est trop dangereux. Crois-moi, je suis au courant. Oh, attends! Mettez ce rafio en pièces! Nous devoir redescendre. Dommage, Freya devoir rester avec nous. Non, moi je descends, toi tu continues. Trouve sa mère, tu comprends les vouivres, donc je compte sur toi. Je me transformerai en bas. Comme ça, je pourrai me battre contre Bones plus longtemps. Super plan. Encore faut-il qu'on arrive en bas vivant. Fini vos petites mascarades. Maintenant, donnez-moi cet œuf. Immédiatement. Tu arrives trop tard, Golden Bones. Zack et Krogar ont ramené le bébé à sa mère. À la place, prends ça. Non, merci. Mais votre navire et votre équipage seront un prix de consolation acceptable. Attention aux chutes de glace et au capitaine pirate. Petit impudent, tu es fait comme un rat. Tu ne peux plus aller nulle part. Je vais te faire prisonnier et ramener à Skullivar une armée de vouivres. Ainsi que les yeux des sept mers. Est-ce que tu m'entends, Zack Storm? Je t'écoute, CC. On est happé par un cyclone. On n'arrivera pas à tenir très longtemps. Tu as réparé la turbine? On doit d'abord s'occuper d'invités surprise. Des invités? Quels invités? Zack Storm! Ah!
tu m'as retrouvé? Facile, j'ai suivi les points rouges. Et devine? T'as trouvé la salle des turbines? Ouais! Après toi, valeureux Caramba. Il y a un temps pour réfléchir et un autre pour agir. Et bien là, j'ai réfléchi. Ah! Et maintenant, c'est le temps pour courir! On ne craint rien ici, c'est un peu, je crois. Waouh! La salle des turbines! Elle est encore plus belle que je ne l'avais imaginée! Quelle brillante technologie! C'est une incroyable œuvre d'art! Oui, oui, c'est pas mal. Allez, on se dépêche! Quelle turbine on doit réparer? La T16, elle est là! Ouvre la porte, CC, je vais les occuper. Non, CC. Rendez-vous maintenant, et je n'utiliserai que la moitié de mon pouvoir, ou juste un quart. Humour de petite personne, même pas drôle. Ah, Zaxter! Les gars, je porte une armure de feu. C'est comme si j'avais pris un bain. Et je déteste prendre un bain. Oh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est bon, je démissionne. Je ne suis pas du tout inquiétée. Quoi, même pas un petit peu? Si je te dis que oui, tu viens m'aider à descendre de là? Maintenant, toi, être grand protecteur du chaos. Moi? Yes! Pardon, Calabras. J'ai échoué. Je nous ai mis dans le sale drap, toi et moi. Utilise mes dernières forces et sors-toi de là, mon grand. Hein? Ça va pas la tête! Tu dois t'en sortir et accomplir ta destinée. Je te donne l'œil d'Aeria. Non! Essaie encore. Mais je vais tous nous mettre en danger. Calabras! Calabras! Tout est de ma faute! Calabras s'est sacrifié pour me sauver! Se servir des dernières forces de Calabras peut sembler être une mauvaise idée, mais ça a marché. Vous nous avez sauvés, tous les deux. T'as raison. Calabras était tenace et il s'est battu jusqu'à la fin. C'est ce que nous allons faire! On ne peut plus rien faire. Si, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Va sauver Calabras. Nous, on s'occupe de Bones. T'es génial, CC. Et compte sur moi pour le sauver. Ils sont drôlement plus nombreux que nous. Dommage pour eux. Vous oubliez où nous sommes. Nous allons leur présenter les charmes certains de cette île. Primordial, on a réussi. C'est ça qui va te sauver. J'arriverai pas à tenir très longtemps. Cette fois, vous êtes cuit. Zach, je suis désolée, je ne les ai pas vus arriver. Abandonne, gamin. Il n'y a plus aucun espoir pour toi.
Maintenant, donne-moi les Taedrons ainsi que les yeux des sept mers, et je laisserai tes complices repartir sains et saufs. On ne peut pas le lui redonner, Zach. Ça détruirait le triangle. Je suis désolée, tout est de ma faute. Je suis tout sauf un Aerox, je ne suis qu'un minable bidouilleur. Ne dis pas ça, Karamba. Ce n'est pas de ta faute. Si, c'est ta faute. T'es même pas un bon bricoleur. T'inventes rien, tu fais que copier. Quoi? Mais je n'ai fait que suivre tes ordres. Ah, j'ai pas raison, CC. T'exagères, il fait quand même des super gadgets. Tout ce qu'il sait faire, lui, c'est entrer des lignes de commande sur sa tablette. Quoi? Mais ce n'est même pas... Il suffit, jeune sœur. Rends-toi ou tu vas le regretter. Ok, relâchez notre ami qui ne sert à rien et on vous donnera ce que vous voulez. Skulliva, n'oubliez pas votre promesse. Vous nous laisserez repartir sains et saufs. Lâchez-le. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, partez. Avec les Sétilleux et les Taedrons, je suis le... Quoi? Dolos, super bidouilleur, nous a tous sauvés. Calabras, donne-moi l'œil de Deezer. Bones veut juste gagner du temps. On doit changer notre tactique. L'intelligence ne triomphera pas des ténèbres. Quelle déprime à chaque fois qu'il parle. Continue, CC. Moi, je crois en ton intelligence. Occupe-toi du triangle. Il te faut abandonner l'idée de triompher des ténèbres. Conrad Zacharias Sarabista. Quoi? Vous connaissez mon nom? Je suis le gardien du triangle. Et je t'observe depuis le début. Calabras, donne-moi l'œil de... C'est moi le capitaine, et c'est moi qui donne les directions. Le chaos, c'est bien fait. Cette grosse bestiole va nous écrabouiller, Ox, et si nous voulons l'affronter face à face. Tu veux fuir un combat? Mais ce serait créer un précédent. Zack Storm a raison, nous devons maintenir notre cap. Le Navigatrix montre que le verrou n'est plus très loin. T'as vu, j'ai raison. Demi-tour, et allons mettre la pâtée à ce scorpion géant. Toi pas aller donner mauvaise idée à lui. CC, t'es sûr de toi au sujet de la position de ce verrou? Crois-moi, garde le cap. Moi, je m'occupe de sa créature. Attends, t'es sérieuse? Tu veux vraiment attaquer ce monstre? Pas elle seule, nous tous. Moi aussi, j'ai failli tomber. Pourtant, j'ai pas fait... comme vous. Toi, avertir Kroger la prochaine fois. Moi, avoir mal à la tête. On fonce! C'est pas un avertissement. Ça, c'est le meilleur moyen de se débarrasser d'un insecte. Chaos, mets le cap sur le verrou.
Le voilà. Oh non, regardez. Oh, où ils sont? Nos corps? Mon sabre! C'était ça que les deux créatures cosmiques voulaient depuis le début. Nos corps. Oh, viens goûter cette porte. Tu ne trouves pas que nos amis se comportent bizarrement? Nos amis avoir faim? Krogar agir aussi bizarrement qu'en lui avoir faim. Ça être très normal. Les amis, on est là! C'est nous! Les autres sont des imposteurs! C'est pas normal! Ils n'arrivent ni à nous voir, ni à nous entendre! Ça, c'est parce que ça demande de la technique et un esprit pour se faire remarquer. Regardez et prenez-en de la graine! Hé, les gars, écoutez! Oh, Clovis! Loué soit la sainte carte mère supérieure! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là 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 là, j'ai un de ces secrets à vous raconter au sujet de ces deux-là! Vous savez quoi? Zack et Cécé sont pas... Nous ne sommes plus à Zeit. Clovis est à nouveau enchaîné au chaos. Je ne comprends pas. Quel secret? Vous avez un secret? Tu m'accuses de quoi, là? Voyons, ami métallique. Une expérience nous attend. Allons manger ce que le Krogar rêve d'incurgiter. Le Krogar? Ça suffit! Sors immédiatement de mon corps! Il est impossible de retourner dans un corps déjà occupé, mortel. Tu ne peux rien y faire, et nous sommes tout puissants. Calabras, donne-moi l'œil de vampire! Brouillard solide! Voilà! T'as vu, Cécé? C'est ça qu'il faut faire! Gamble, qu'est-ce que vous en dites? Impressionnant, jeune héros! Merci! Allez, les amis, on va se frayer un chemin! Une de dégagée! Plus que trois maintenant! En fait, cette île ne fait pas si peur que ça. Sérieusement, Krogar exagère. Qu'est-ce qu'elle a d'effrayant? Oh, par les antennes sacrées de Palpatoche! Plus de lames! Oh, tourne ton abri, Karamba! Tourne ton abri! Gamble, on les a massacrés, ces fantômes! Tu as droit à ma gratitude éternelle. Grâce à toi, je vais pouvoir reprendre ma quête, refaire régner la justice dans les sept mers! Peut-être pas dans la seconde. Il pleut des hallebardes dehors! Quelqu'un a une autre idée? Ah, Zack aussi a avoir peur de Drogar. Les fantômes de cette île sont des échos de pirates. Ils sont mués par le même sentiment qui habite chaque pirate, la cupidité. Les pirates, des gens cupides. Non. Ouais, je vois pas du tout de quoi vous parler. Bonne manœuvre, Chaos. Oh, Karamba, j'ai besoin de toi. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait que tu pirates ce navire. J'ai pris le contrôle des canons laser. J'en reviens pas de ce que je vais dire, mais bien joué, mon grand. Maintenant, fais pas de bêtises avant le retour de Zack. Ma tâche n'est pas terminée. Je dois encore sécuriser les arrières de Zack.
Clovis, non! Ne t'inquiète pas, Clovis le Calamiteux a la situation bien en main. Cible en vue, tire à volonté. Oh, ça ne sert à rien. Le fantôme a marqué contre son camp. Attention, les copains! Les machines vont exploser! Les commandes ont lâché! Oh. Attention! T'es vraiment un sabre étrange, toi. Les amis, relâchez-la! Il y aurait moyen que je prélève un échantillon, X? Tu aimerais, toi, que je prélève un de tes boulons? Tant pis pour la recherche scientifique, et tant pis pour les vortex. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Pourquoi est-ce qu'elle reste là? Je veux bien dire adieu à une expérimentation, mais pas au chaos. Par les antennes bioniques de mes ancêtres, il faut réagir. Elle inspire toute l'énergie du chaos. Calabras, j'ai besoin de l'œil d'Aeria. Mais... C'est à ton tour de me faire confiance, s'il te plaît. Impact dans 5 secondes. 5, il ne m'écoute pas. On est foutux. Tout ça parce que je voulais avoir un ami. T'en avais déjà un, Caramba. Je serai toujours ton ami. Nous serons tous. Abandonnez le navire, les amis. Je vais faire exploser les missiles loin d'ici. Cyclone Tornado. Zach, mais c'est de la folie. Que crois-tu pouvoir faire? Il croit pouvoir sauver ses amis. Mais à quel prix? Ami. Concept analysé. Caramba, ami. Sauvez Caramba. Impact! Il nous a sauvé la vie, Caramba. On peut le remercier. Et toi aussi. Ah, il est sous un danger? Où? Ouais! Regardez, lui nous remercier. Non, il y a pas de quoi. Mais quel merveilleux scaphandre! Oh, mais quelle chance incroyable d'avoir été sauvé par ce navire! Miracolo! C'est pas miracolo! On était à votre recherche, monsieur Raimondi! Mais appelez-moi Carlito! Ce navire est vraiment... un véritable chef-d'œuvre! Par les 7 antennes du Grand Vorg? Le chaos est sensible au... compliment de Carlito. Il a rougi. Le truc de dingue. Monsieur Raimondi, Carlito, il paraît que vous avez construit un avion du genre qui vole. Un avion qui n'est pas soumis aux perturbations magnétiques du triangle. Ça, ce serait sensationnel, Ox. Non, ce qui est sensationnel, c'est ce navire qui rougit. C'est le chaînon manquant entre la science et la vie. Ce navire n'est pas un simple chaînon. C'est le chaos. Un sabre qui parle? Que meraviglia! J'adore. Voilà, le véritable Minotaure est à droite. À l'attaque! Oh!
seconde. C'est Traflox. Je vais exploser. J'ai pas explosé. J'ai pas explosé. Désolé, Zach, je suis complètement vidé. Le Minotaure, c'est... un exosquelette. Un pilote à l'intérieur le contrôle. Il y a un moyen de débrancher sa batterie? Son anneau, celui qu'il a aux narines. Ton calvaire, gamin. Tu es très doué, mais... Certains disent que je suis le meilleur guerrier du triangle. Si ce que tu dis est vrai, alors le triangle devrait être une de mes conquêtes les plus faciles. Hein? Rendez-vous, amiral. Libérez CC et jurez de ne plus jamais revenir à Maritouga. Eh bien alors, je ne t'entends plus fanfaronner, gamin. Tant mieux. Ouais. Bien joué, amiral. Comment vous m'avez retrouvé? On s'est fait aider. Clovis? Oh. Non! On ne peut pas l'abandonner entre les griffes de Bones. Pas grave. Clovis être fantôme, lui pouvoir s'échapper facilement. Plus maintenant, Krogar. Le vœu de Clovis vient de se réaliser. Il est redevenu humain. Tu n'es pas qu'un simple membre de notre équipage. Tu n'es pas qu'un frère de combat. Tu n'es pas seulement loyal, courageux, fidèle, extrêmement fort, tenace et légèrement borné. Tu es surtout et avant tout mon ami, mon ami. Krogar, mon ami. Toujours prêt à venir en aide à Ami. Yeah. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Viens vite, Krogar, on retourne au chaos. Non! Jamais tu ne quitteras ma vie! Tu ne vas pas faire trop bien! Regarde! Allez, vas-y, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Qu'est-ce que tu reproches à César? Il y a de très nombreuses choses que tu ignores au sujet du triangle, Zack Storm. C'est justement pour cette raison que t'es à mes côtés et que tu n'hésites pas à partager ce que tu sais. Il y a longtemps, la paix régnait sur le royaume d'Aeria et de Beru. Mais les Aériens voulurent contrôler les pouvoirs du ciel. Ils firent de nombreuses expériences contre nature, jusqu'au jour où ils causèrent un cataclysme. Zack, les Aériens ont détruit leur propre civilisation. Ah ouais? À ce point? Waouh! C'est vrai que l'info est importante. C'est pour ça que je n'ai pas confiance en ce type. Pourquoi serait-il différent de ses congénères obsédés par les pouvoirs du ciel?
Là d'où je viens, on a un proverbe qui dit qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Laissons une chance à César de nous le prouver. À une condition alors, tu promets de garder un œil sur lui. Et même les deux, ça te va? Chaos, on met cap sur Aeria. Calabras, donne-moi l'œil de désert. Ça y est, je suis vidé, je suis à plat. Zack! Ton téléphone! Zack? Zack? T'es là? Fais bien voir! Zack! La chaîne! Caramba! Monte! Zack, non! Papa, c'est moi! Mon fils, c'est vraiment toi! Zack, on n'a plus le temps! Il faut que j'y aille, mais je te promets de rentrer à la maison. Je te le promets, t'entends? Un bon surfeur doit savoir quand il faut rebrousser chemin. Pas vrai, papa. Je sais, je vous dois des excuses, mais ça va attendre. Pour l'instant, il est l'heure de se battre. Ragnarok! Mais Patrix! Vous ne pouvez rien contre moi! Faites le vide! Mais oui! Ne pensez plus à rien! Facile! Rien! Rien! Je ne dois penser à rien. Je parie que t'as rien vu venir, espèce de mytho! Hey, fais attention! Peut-être plus prudent d'attendre Zack Storm et tes amici, non? Si on se fait prendre, qui sait ce que Bones pourra nous faire? À cette heure, Zack doit être en train de se ventox dans tout Maritouga. Mettez ça près de la porte, ça créera une surchauffe du système Ox Electronics et ça l'ouvrira. Ah! Oui! Emma, c'est brûlant! Et derrière la porte, il doit y avoir des centaines de squelettes! On n'ira pas loin! Je vais m'occuper d'Ux. Le navire de Flint a quitté Maritouga après avoir fait monter une malle à bord. Alors ça, ça prouve rien du tout. Un gaillard m'a dit avoir entendu une voix sortant de cette malle. Une voix qui disait, deux points ouvrez les guillemets, Zetraflox. Et alors, bien sûr, vous savez où Flint et son équipage se rendent? Ils se dirigent juste là. Au royaume des trolls? L'exosquelette de Caramba. Les trolls le veulent pour leur collection. Crac, je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est le moment! Allez, viens! Si ce truc explose, à côté, la fournaise de Vlas va ressembler à l'intérieur d'un frigo. Oh non, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut qu'on refroidisse le verrou et l'empêcher d'exploser. Et si nous mettre dans la glace? Non, ça c'est trop tard, le verrou est trop chaud maintenant. Il faut un choc thermique. Chaos, déploie tes pattes. Et
un cadeau pour toi. Dans le Nil. Non, j'ai rien senti. Désolé, maman Vouivre, mais c'était toi ou nous. Zack, il serait temps de battre en retraite. Battre en retraite? T'es folle ou quoi? On lui met la pâtée. Calabras, t'as encore un peu de jus? Assez pour faire un carpaccio de poulpe. Et toi? La pêche! Allez, Calabras, donne-moi l'œil de désert! Voilà, t'as pas l'air en forme, toi. Toi, tu faisais moins le malin sans ton sabre. J'étais tout aussi malin, j'étais juste moins dangereux. Calabras, donne-moi l'œil de Sino. Bloc de glace. Gros vilain squelette. C'était trop facile. Saute là-dedans. Oh, t'es sérieux là? Je le suis toujours. Ma lame est attirée par le verrou. Je parie mon corps qu'il est par là. C'est super profond. La chance ne sourit qu'aux audacieux. Surtout quand ils veulent s'échapper d'un volcan. C'est pas faux. Un pirate ne partage que le sang et le butin. Pourtant, en souvenir du bon vieux temps, je vais te confier un secret. Sache que je n'ai qu'un seul et véritable ami. Et désolé, mais ce n'est pas toi, Torque. Avec ou sans ton aide, je vais le massacrer. Vas-y, essaie. Amène-toi si t'es un homme. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Torg? Me dis quand même pas que t'as peur de te mesurer à ce gamin! C'est encore un piège que vous me tendez! Par Neptune, mais c'est notre code d'honneur! Le code des pirates! T'aurais pas oublié, quand même! Un combat d'homme à homme! D'homme à homme? Mais c'est qu'un gamin! T'es bien, oui. Mais Zack, c'est le meilleur capitaine que j'ai pu croiser. Et lui, il sait utiliser mes pouvoirs. Oh, après tout, qu'est-ce que ce môme peut bien me faire? Me passer dessus avec sa planche? Me tentez pas, l'ancêtre! Et... Est-ce que vous êtes lent? Vous n'y arriverez pas! Zack! Zack! Kroger, venir à l'aide! Kroger, non! C'est un combat qu'ils doivent faire seuls! Allez, finissons-en, Torg! Mon fourreau, mon sabre!
Je vais couper en petites rondelles cet ectoplasme. Zach, ne fais pas ça. On n'achève pas un homme à terre. C'est aussi dans notre code d'honneur, Capitaine Storm. Mais Calabras, si on se débarrasse pas de lui, il reviendra un jour à la charge. Moi, j'ai bien réussi à changer. Et ça, c'est parce que j'ai été à ton contact. Mais il peut y arriver seul. Scullivar et ses squelettes, ils ont capturé une énorme bestiole. Eh hey, mais c'est Blix, machin bidule chouette. Blixstar Fringar, méduse légendaire. Les amis, c'est le moment d'écrire notre légende et d'aller casser quelques tibias. Eh hey, les bolos débilos, rentrez chez vous. Blix est sous notre protection. Pour Scullivar maintenant? Quoi? Non, c'est tout le contraire. Par la barre de Neptune, c'est encore meilleur que dans mes souvenirs! Tous à bord! Demi-tour! Bienvenue à bord, Moussaillon! Où tu nous emmènes? Le verrou est dans cette direction! Ah, c'est trop tard! On n'a plus le temps! On reviendra un autre jour! Pas question de laisser tomber, même s'il nous reste qu'une petite chance! Cap sur le verrou! La mission passe avant tout! Je ne suis pas un accessoire! Je suis Calabras! Et je te dis de... Hé! Hey, Cal! J'adore ton style bandelette, mais on dirait que tu sors de l'hôpital. Du coup, t'es pas très crédible comme chef. C'est une mutinerie, c'est ça? Une mutinerie? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? On est tes amis, Cal. On veut juste que tu gardes les pieds sur terre. Regarde-toi, franchement. Alors oui, il est moche, il craque de partout et il a que les bandelettes sur les os. Mais je l'aime, moi, ce corps. Vous avez vu tout ce que je peux faire avec? Calabras, je suis désolée. Mais il faut absolument qu'on ouvre le verrou. Le sort de tout le monde dans le Triangle Ox repose sur toi. Mais en tant que sabre... Je sais, mais j'ai simplement pas envie que vous me laissiez tomber. Ça n'arrivera jamais, mon pote. On trouvera un moyen pour que tu redeviennes humain, un vrai moyen. On est une équipe, on est l'équipage du chaos. Ça veut dire qu'on laisse jamais tomber personne. Qu'on baisse jamais les bras et qu'on trouve toujours une solution tous ensemble. Ce navire est une véritable épave. Y'a quelqu'un vit dans cet endroit maudit. Le monstre? Non, je crois pas. Cécé, t'as trouvé quelque chose? Rien. Je ne vois aucun monstre à l'horizon. Amène-toi, gros monstre! Bébé monstre? Caramba! Clovis, arrête! Pitié! Hein? Mais t'es pas un monstre! L'ectoplasme a vraiment perdu la boule! T'es tellement cinglé que tu sais plus faire la différence entre un gamin et un monstre! Parfois, c'est pas évident. Mais je vous jure que j'ai vu un truc hyper étrange! Hein?
Pourquoi est-ce que tu vis seul sur cette île? Tu n'as rien à craindre ici. Avec nous, tu es en sécurité. Je m'appelle Tommy. J'étais là pour arrêter les méchants. Les méchants? On n'est pas des méchants. Non, non, mais eux, oui. Ils vont attaquer mon village. Pas tant que le chaos sera là. Les amis, tous à vos postes. Chaos, lève les voiles. Caramba, dis-lui de s'approcher du chaos. Le coffre. Il faut ramener ce monstre là-dedans. Excellente idée, Zach. Il doit bien y avoir une formule magique. Mind-toi le processeur. Ça y est, j'ai trouvé la formule. Ok, allez, vas-y, prononce-la. Jipenjaraputo. Ça marche. Jipenjaraputo. 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 Le livre. Bonne idée, Zach. Il doit y avoir une formule magique. Ça y est, c'est dans la boîte. Va les pattes, sale créature! Étoile nébuleuse! Wow! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Ça me paraît évident! Ces créatures ne peuvent résister devant pareille beauté! Je leur ai juste dit bas les pattes et elles m'ont obéi. Ça doit être le haut cool. Alors qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Cet endroit est très dangereux. On ferait mieux de s'en aller avant de faire face à un plus gros danger. Je préfère mourir en cherchant mon père que de vivre en ignorant où il est. Bien dit. Bon, sauf pour ce qui est de mourir. Sans compter qu'on ne partira pas sans avoir ouvert le verrou de Zeit. Hé! Vous pourriez nous guider à travers la mer de Zeit? Allez-y, montez. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute jamais? Calabras, donne-moi l'œil de Blast! Même un viking pouvoir faire preuve d'honneur, pas vrai? Calabras, donne-moi ce que tu pourras me donner. De me laisser là? En direct, t'as été photocopié? C'est quoi ça, photocopié? On va vite savoir ce qu'est cette chose. Vous pourriez pas m'aider?
Laisse-toi venir, sabre en double. Il est trop rapide. Il va nous couper en rondelles. Calabras, donne-moi l'œil d'Aeria. Il ne pourra en rester qu'un. Et c'est moi. Et Golden Bones, tu t'es battu contre le général des squelettes? Plein de fois, avec Calabras et mon équipage. Tu es revenu, c'est le plus important. C'est quoi cette carte? Elle indique la position du verrou de Beru. Ça fait longtemps que cette carte était là? Oui, je l'ai rapportée du triangle. Écoute, Zack, il faut que je t'annonce quelque chose sur notre famille. Mais tu devrais d'abord te reposer. Papa, c'était ça le truc qu'il nous fallait pour nous échapper. Et c'était juste là, sous mes yeux, dans ma vie d'avant. Voilà pourquoi Fréonius m'a envoyé ici. Il faut que j'y retourne. Je peux pas les abandonner. Attends, non! Zack, je sais que ça n'a pas été facile. Je t'assure, tu peux me croire. Mais tu es de retour, sain et sauf, et... Et j'ai quitté mes amis. J'étais fatigué et en colère. Et je les ai abandonnés. Comment je pourrais me regarder dans une glace si je cherche pas à les sauver? Promets-moi que tu ne perdras jamais ton envie de te battre. Je te le promets. Et je reviendrai à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais je te crois. Et même si ça me fait mal, je te laisse repartir, mon fils. L'orbe. Tu t'ennuies déjà? Non, mais j'ai pitié de la princesse Sarmi. Oh, oh, elle a le teint vert. Elle est pas fraîche, la sardine. Stormer! Laisse-le! Storm est à moi! Mais il est là, dans ma ligne de mire! Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre! Viens me faire des adieux, Bones! T'es triste parce que je vais bientôt quitter le triangle? Tu ne rentreras jamais chez toi, alors donne-moi le sabre légendaire! Oh, sabre légendaire? Bon, c'est bien, au moins il sait à qui il a affaire! Lance un éclair! Avec plaisir! Ah oh ah. Caramba a bidouillé le télétransporteur pour qu'il nous emmène à la mer qui correspond à mon armure. Ce qui veut dire qu'on peut emmener l'autre affreux dans les sept mers. Pour nous débarrasser du gardien, il faut qu'on ouvre le verrou. Mais cette fois, on va faire tout le contraire. Voilà une idée qu'elle est bonne. Hein? Quoi? Donne-moi l'œil de Beru. Tu essaies de t'enfuir, Jack Storm? Je fuis ton haleine, ouais. Mais j'essaie pas de m'échapper. Là, je sors sur les sept mers en m'amusant un peu avec toi. Calabras, donne-moi l'œil de désert. Captain Storm va te mettre les os aux miettes. On n'a pas terminé tous les deux. Non, j'ai envie qu'on s'amuse encore un peu. Décharge électrique. Ah.
débarrasser du dernier gardien. Il te reste un peu de force? La balade à Blaze m'a rechargé mes batteries. Super, alors viens, on va s'échapper du triangle.